Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Entrevue Lossoise, celle de mars 2015. Alors tout de suite, nous nous dirigeons vers un petit côté littérature, puisque c'est à Lossangoël que nous avons rencontré José Herbert. Alors ancien directeur d'école, désormais à la retraite, il s'est consacré dès sa retraite à la littérature, à l'écriture quand même de plus de 5 ouvrages, dont La Messe Bleue. Eh bien c'est Marcel et Jackie qui se sont rendus à la médiathèque de Lossangoël pour nous faire découvrir cet écrivain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de José Herbert, qui est très connu dans la vie associative de Lossangoël. Mais le connaissez-vous en tant qu'écrivain ? Depuis 6 ans, vous êtes à Lossangoël. On vous connaît comme ancien directeur d'école et vous êtes impliqué dans la vie associative de Lossangoël. Ce qu'on connaît moins, c'est votre passion pour l'écriture. Et là, il y a quand même 5 volumes que vous avez écrits. Le premier, je pense que c'est l'instituteur impertinent. Voilà, vous pouvez nous donner quelques précisions. C'est le premier, il a été écrit en 2007. Enfin, il a été édité, il est sorti en librairie en 2007. Et moi, j'étais depuis 3-4 ans déjà en retraite de l'éducation nationale. J'étais directeur d'école primaire dans un petit village du Cambrésis, 300 habitants, 2 classes, 30 d'élèves. Et à la retraite, évidemment, coupure abominable. Et j'avais dans la tête toutes ces idées et toutes ces anecdotes, toutes ces séquences pédagogiques et puis autres que je ne voulais pas perdre. Et un jour, je me suis dit, voilà, je vais les écrire. Et j'ai écrit 80 chapitres, j'en écrivais un par jour, sur tous ces souvenirs, pas seulement scolaires d'ailleurs, parce qu'il y a des souvenirs familiaux aussi. Il y a beaucoup d'humour. Et l'humour, on le retrouve ? Par exemple, dans les trois volumes prochains, quoi. Et signé la Grande Faucheuse. Alors, c'est un peu un thème, quand même, la faucheuse, c'est la mort. Et là, c'est 3 volumes qui sont signés souvent la Grande Faucheuse, oui. Bah, j'ai imaginé un personnage, le personnage emblématique que tout le monde connaît, c'est... La Grande Faucheuse, dans mon bouquin, elle s'appelle Samantha. Hein. Bon, il y a une raison, bien sûr, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai donc imaginé un personnage... que tout le monde connaît, qui est emblématique, hein, qu'on retrouve dans des peintures et puis dans l'histoire, c'est la Grande Faucheuse. Et moi, je l'ai imaginée vivante, c'est-à-dire comme vous et moi, avec une vie tout à fait classique. Elle fait son boulot dans la journée, elle va faucher les vies avec sa faux, avec sa mobilette, avec son téléphone portable. Elle va partout, là où on demande ses services, et puis le soir elle rentre, elle a une vie tout à fait ordinaire avec un compagnon qui s'appelle Victor. Ils ont une vie maritale, et elle prend des douches, elle s'amuse, elle fait la fête, d'ailleurs on la voit ici. Pour ça, je voudrais signaler que les couvertures de mes bouquins ont été dessinées par un monsieur qui s'appelle Delandre, Jean-Michel Delandre, qui est de la région aussi, et qui fait dans les dessins humoristiques, lui, en particulier auquel a enchaîné d'ailleurs. Voilà, donc c'est parti avec ce personnage et grâce à mon observation de la société et de la vie qui m'entoure, j'ai trouvé des anecdotes que j'ai écrites à ma sauce, disons, à la sauce loufoque. C'est l'étiquette que je revendique en fait, c'est l'étiquette loufoque. C'est de l'humour, mais c'est un humour particulier, c'est un humour loufoque. Vous êtes quand même très observateur parce qu'il y a quand même 3 volumes sur le sujet. Oui, donc vous avez su alimenter un peu... Voilà. On retrouve la Grande Faucheuse dans les 3 bouquins, celui-là. Ensuite, on a eu les chats de Pavlov. Elle apparaît un peu moins. Les chats de Pavlov, c'est aussi un fait de société que j'ai voulu mettre en avant. En particulier celui qui prétend, enfin moi je pense et je le prétends, que nous serions tous des chats de Pavlov, c'est-à-dire des gens conditionnés par la publicité, par les télévisions, par les discours. Donc tout ça, ça reste sur le ton de l'humour. Celui-ci, c'est l'histoire d'un individu qui s'appelle Martin et qui connaît la date de sa propre mort. Voilà. Donc lui, il vit avec cette idée-là dans la tête, il n'a plus que 120 jours à vivre. Il va les passer ces 120 jours avec l'idée de sa mort prochaine et il va vivre des aventures dans un petit village et on va avoir affaire à des personnages qui sont complètement dingues. Et finalement, on va arriver à cette fameuse date, le 21 janvier à 10h22, c'est programmé. Et puis c'est en même temps que c'est la date de la décapitation de Louis XVI en 1793. Donc il y a un petit peu de coloration historique au roman. Et puis il va organiser son dernier jour, avec l'aide du maire. Et puis le dernier jour, il va se passer des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et là, je ne peux pas vous en dire plus.
Là, on a de l'humour. Là aussi, de l'humour. Et de là, l'humour. C'est un sujet beaucoup plus grave. Et je crois que c'est un drame qui vous touche personnellement. Oui, là, c'est un sujet. Enfin, c'est une parenthèse. Hein, la messe bleue. Oui. Je dis toujours, c'est une parenthèse, parce que j'étais en train de terminer celui-là, et puis Lola est née, j'ai pas pu continuer. Lola, c'est votre petite fille. C'est ma petite fille, ouais. C'est Lola qui est mise en scène ici, sur l'hôtel, sur la table, enfin j'appelle ça un hôtel, mais parce que j'ai assimilé les soins du soir et du matin à une messe. Bon. Donc Lola est née il y a 6 ans, presque jour pour jour, c'était en janvier 2009. Avec une maladie orpheline, la maladie de Hirschsprung, qui la prive d'intestin. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la maladie, parce qu'il y a différentes formes, et là je pourrais passer une journée à parler de la maladie. Donc elle est née avec cette maladie, et pendant un an, j'ai écrit 2 chapitres par jour pour raconter ce qui nous arrivait dans la famille, les ressorts de la maladie, les relations avec les médecins, l'hôpital, les problèmes, mais aussi, et ça j'incite beaucoup là-dessus quand j'en parle, les joies. Hein, parce que, on peut dire ça à drame, c'est sûr, mais Lola, elle est magnifique. Et je vous invite tous d'ailleurs à aller voir la messe bleue sur Internet. Là, vous la verrez, elle est pétillante de joie, de coquinerie, elle est très tonique, mais elle a une maladie, elle a un cathéter sur la poitrine. Et elle a une poche, une stomie sur le ventre, qui nécessite des retours à l'hôpital assez fréquents, hein, parce que forcément c'est un mode de nutrition qui n'est pas vraiment celui de tout le monde. Hein. Elle est nourrie en artificiel le soir, donc il faut la brancher. On voit ici une photo de papa, maman et Lola. Papa et maman branchent leur petite fille sur une pompe électronique qui va lui injecter dans ses veines, le contenu d'une pose de nutrition avec tout ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Et le matin, il faut débrancher pour aller à l'école, pour avoir une vie tout à fait normale. Voilà, ça fait 6 ans que c'est comme ça, puis Lola, elle est magnifique. Et puis à l'école. Alors si on veut lire un de vos livres, José Herbert, où on peut les trouver, en fait? C'est facile, en fait, on les trouve partout. On peut aller en librairie et puis demander au libraire de commander, hein, puisqu'ils sont répertoriés sur la base où on trouve tous les livres qui sont édités en France. Hein. Donc, il peut les commander, parce qu'ils ne sont plus en librairie. En librairie, il restait peu de temps, en fait, les bouquins. Ça passe. À moins qu'il en reste derrière une table ou dans un carton. Donc, on peut les commander en librairie. On peut aussi les commander sur Internet, sur toutes les plateformes de vente de livres par correspondance. J'ai le droit de donner des... José Herbert, on vous remercie, puis on vous souhaite une bonne continuation pour les prochains romans. Merci, et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Voilà, un témoignage très émouvant. D'ailleurs, sachez que si vous voulez obtenir le livre, il est disponible dans certaines librairies, ou sinon, une petite recherche internet, José Herbert, La Messe Bleue, et vous pouvez très facilement le commander. Voilà, sans transition, c'est ici, au Cybercoin, que désormais se déroule, depuis le mois de janvier, l'atelier photo. Il est animé par Nazaré Milero, c'est tous les jeudis soirs, et c'est donc Marie Belleville qui signe son grand retour à l'OSTV, et nous en sommes ravis, ainsi que Jackie, qui se sont dirigés vers cet atelier. Objectif, obtenir un témoignage des gueules cassées de la guerre 14-18 pour évidemment fêter le centenaire. C'est donc un reportage signé Jackie et Marie Belleville. Aujourd'hui, avec ce portable, nous sommes tous des artistes en puissance. Avec Instagram, avec Facebook, nous avons tous des âmes de photographes professionnels. Mais pour réaliser de vraies belles photos, il nous faut un matériel adapté et des professionnels, n'est-ce pas Émilie? Oui, effectivement, la commune de Losangoël, sous la houlette de Christine Stievenard, l'adjointe à la culture, a mis en place des ateliers de pratique artistique destinés aux photographes amateurs lossois. Cet atelier est animé par Nazaré Miliero. Elle va nous le présenter tout de suite. Donc cette année, nous travaillons sur le thème des gueules cassées. Donc, au programme, c'est assez simple en fait. Et vaste à la fois, puisqu'on aborde les thèmes, donc la technicité avant tout, puisque sans avoir quelques notions de base technique en photographie, on ne peut pas vraiment photographier, à savoir connaître
les éléments tels que le diaphragme, la vitesse d'obturation, les ISO, tout cela est abordé donc dans l'atelier. Et pour m'aider, en fait, il y a tout simplement ce qu'on appelle un atelier photographique transportable avec des flashs, un fond que vous pouvez voir. Et tout cela est mis à la disposition en fait des personnes qui fréquentent l'atelier photographique. Au-delà de ça, bien sûr, la technique, mais aussi une réflexion sur les gueules cassées, donc à travers le thème du portrait. Donc les personnes qui viennent cette année à l'atelier vont aborder de manière philosophique et photographique ce thème-là. Donc c'est pas facile parce que les gueules cassées sont des visages que l'on n'aime pas forcément regarder, et c'est tout ce questionnement sur le pourquoi nous ne voulons pas regarder ces visages-là. Donc qui vont nous amener à avoir un certain nombre de questionnements qui vont permettre justement la réalisation de toutes les photos qu'ils vont pouvoir faire et qui débouchera sur une exposition photographique. Ces hommes ont été victimes non pas de la nature, c'est pas la naissance, c'est victimes quand même de ce que l'homme a engendré, c'est-à-dire la guerre. Derrière la guerre, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez approfondir aussi. Pour les objets, alors est-ce qu'il s'agira d'effacer? Est-ce qu'il s'agira de reconstruire? Quel point de vue allez-vous prendre? Est-ce que vous allez renier? Vous avez le droit aussi de ne pas vouloir. Vous avez le droit aussi d'effacer. Vous avez le droit de, tout simplement, d'exprimer à travers votre propre visage le regard que vous portez sur ça. La notion de portrait au sein de l'atelier, c'est vraiment la question d'identité. Pourquoi je rejette l'autre? Pourquoi je rejette ça? Tous ces questionnements sont des questionnements d'ordre philosophique et qui se rapprochent énormément de la photographie. De toute façon, mettre dans l'ombre, quand vous faites des essais ici avec la lumière, est-ce que vous allez le plonger dans la lumière, révéler? Tout ça, c'est important. Je vous l'ai dit, les thèmes de la photographie sont importants. Je prends, je cadre en respectant, une proportion. Je photographie, donc je cadre, je choisis mon objectif. Qui est mon sujet? Quel est mon sujet? Ensuite, ça se passe comme en photographie analogique, c'est-à-dire comme avant avec les négatifs. Je fais apparaître, je révèle. Le révélateur chez vous. D'accord? Quel va être le révélateur? Et je fixe, je montre, je mets en forme. Toutes ces étapes, ce sont des processus par lesquels vous allez passer. C'est super important que vous regardiez ça d'un œil photographique. Vous êtes des photographes. Dès l'instant où on prend un appareil photo, qu'on a autre chose à faire que de faire du beau, on réfléchit, on pense, on s'interroge et on questionne. C'est pas du truc intellectuel. C'est vous apprendre à faire de la photographie autre que de faire de belles images. Ça, tout le monde peut le faire. J'ai un super smartphone, je fais une photo, tout le monde peut le faire. Mais penser la photographie, ça, c'est autre chose. Et c'est le but de l'atelier ici. Ok? Eh bien, toute l'équipe de Nazaré vous donne rendez-vous pour les prochaines Goéliades qui se dérouleront du 23 au 31 mai à Los Angoël. Et peut-être encore une dernière photo. Non ! Et sachez que vous pourrez constater l'ensemble de ce travail le 23 mai pendant le festival des Goéliades à la médiathèque de Los Angoël, puisqu'il y aura un vernissage. Direction maintenant la ville de Salomine, à deux pas du Louvre-Lens. C'est là-bas que se déroulent actuellement les répétitions de la compagnie de théâtre Les Convives, dirigée par Thomas Durisotti. Il s'agit cette fois de l'adaptation de ce fameux classique de Feydeau. Il s'agit de la pièce Le Dindon. Ils sont en pleine répétition puisque c'est le 14 avril qu'ils feront une représentation au Colisée, à Lens. Petit tour d'horizon signé Michael et Marcel Borot. Nous sommes à Salomine, à quelques pas du Louvre-Lens, car la troupe Les Convives de Thomas Durisotti prépare pour le mois d'avril la représentation du Dindon. Nous allons à sa rencontre. Et qu'est-ce qu'il a donc? Je sais pas bien ce que c'est, mais il paraît qu'il a la puberté. Comment de la puberté? C'est ça sa maladie? Ah bah vrai, je vais le plaindre. Mais c'est grave. La puberté, oui. Ça ne se gagne pas, moi. Non, je ne vous en remercie pas moins, monsieur. Merci, monsieur. Madame. Madame. Coucou. Quoi? Monsieur et madame te disent au revoir. Je n'entends pas. Médecin-major dans la cavalerie, j'en vois plus souvent qu'à mon tour. Fais voir. Et tu t'assois, fais voir. Coucou.
coup, il est à gauche ou à droite. C'est ça, machin. Tu tournes comme un lion en cage, mais tu ne recules pas. Exactement, c'est la lionne en cage, c'est exactement ça. Je veux assez mûr de complicité, assez meubles comme ça. Ah non, je ne veux pas être témoin de ça, je ne veux pas. Et la sonnette? Où est la sonnette? Et là, tu la cherches comme ça? Donc, je suis en compagnie de Thomas et Diane. Bonsoir. Donc, pouvez-vous raconter votre expérience et la création de la troupe à Salamine? Ben, la troupe a été créée en octobre 2011. On était en train de jouer un autre spectacle, puis on s'est dit qu'il fallait absolument créer une troupe. Donc, on l'a créée, on a continué le premier spectacle, puis on en a créé un deuxième qui ont donc été les belles-sœurs de Erika Sous, qu'on a joué 3 ou 4 fois. Puis après, ben, on a décidé de monter le Dindon. On voulait monter un sacré gros spectacle. Et puis on s'est dit, bah, allez, le Dindon, ça nous paraît être un bon vaudeville. Ça va plaire aux gens. Le Fédo, ça plaît naturellement. Et la troupe, donc maintenant, elle aura 4 ans au mois d'octobre. Voilà. Pourquoi du vaudeville en particulier? Parce qu'il faut savoir que Thomas est particulièrement adepte des comédies. Il est très porté par le divertissement, par le rire. Donc c'est vrai qu'en général, il a toujours tendance à choisir des comédies histoire de prendre plaisir à jouer et d'être sûr de faire profiter le public quand il vient nous voir. Et donc le Dindon de Fédo qui permet également d'englober beaucoup de comédiens de la troupe, donc de pouvoir faire en jouer un maximum dans la troupe. Car il y a quand même 16 personnages dans la troupe. Personnes. Donc voilà, il voulait faire un gros projet qui permettait de réunir le maximum de membres de la troupe Les Convives. Donc la représentation, c'est le 14 avril prochain. Donc les comédiens seront prêts dans la scène, seront prêts? On a bon espoir, oui. On a bon espoir parce qu'on leur fait mettre quand même les bouchées doux. Bon, ils sont quand même, ils sont très investis et je pense qu'ils ont une vraie conscience du danger que ça représente. D'autant que je ne pense pas, sauf erreur ou omission, que certains dans la troupe aient déjà joué du Fédo. Moi, j'en ai jamais joué pour ma part. Mais je pense qu'avec la conscience, l'investissement et puis l'envie de partager, on devrait présenter un spectacle qui va laisser un souvenir assez extraordinaire au public. On l'espère en tout cas. En tout cas, ils ont une bonne conscience des enjeux, donc ils se donnent correctement. Eh bien écoutez, là j'essaie de finaliser un peu mon texte parce que j'ai quand même une grosse partie. Mon personnage est assez drôle, j'ai envie de dire, assez simple et très, très naïf. Donc sur scène, c'est un vrai challenge que de mettre en avant tous ces traits de caractère parce qu'au fond, dans la vraie vie, je ne suis pas forcément comme ça. Mais c'est aussi un réel plaisir, quoi. Parce que le personnage est riche sous tout rapport, j'ai envie de dire. Et à chaque fois, il doit adopter des postures qu'il n'a pas l'habitude de prendre. Il doit cacher sa femme ou sa maîtresse aux yeux des autres comédiens. Donc c'est un personnage assez complexe et assez intéressant que je continue de travailler et de perfectionner au jour le jour jusqu'à la représentation finale. Donc, Monsieur Zodignac, comment allez-vous? Très bien, êtes-vous? Très bien. Vous faites quoi dans votre rôle? Vous jouez quoi? De mon rôle? Le rôle de quoi? Monsieur Zodignac. Ce n'est pas un rôle, je suis Narcisse Zodignac, de Marseille, oui. D'accord. Oui, j'ai l'accent anglais, mais j'ai été élevé toute petite là-bas, mais je suis de Marseille, en effet. Je vois ça. D'accord. Vous voulez quelque chose? Excusez-moi, je suis pressé, c'est les affaires. Oui, connaît. C'est juste une petite anecdote. Petite anecdote. Oui. En fait, je recherche ma femme. Parce que je crois qu'elle me trompe. J'ai trouvé une lettre d'elle qui parle de son amant. De plus en plus, donc ça c'est bien. On espère qu'on va faire une bonne salle et on espère surtout que le public en ressortira avec des étoiles dans les yeux et surtout des rires dans le ventre. C'est surtout ça le plus important. Voilà, bah, je vous remercie. Et sachez qu'il est possible de déjà réserver vos places. Pour cela, il suffit de contacter le service culturel de la ville de Lens. Eh bien, comme chaque entrevue lossoise, il y a toujours un invité. Aujourd'hui, il s'agit de Pascal Marie, auteur, compositeur. Il était d'ailleurs l'invité de l'association Graines de Chansons à Losangoël, cette association qui s'occupe de talents, de découvertes musicales et dirigée d'ailleurs par Christine Stievenard. Pour des raisons techniques, c'est d'ailleurs une interview que nous avons réalisée à la médiathèque de Losangoël. Alors, petite transition oblige. Et nous voilà de retour, c'est la magie hein, du grand écran. Et bien, nous voici maintenant à la médiathèque de Losangoël en compagnie de Pascal Marie qui vient. Voilà, on est tout juste à la sortie de ce concert. Voilà, c'était la première à Losangoël. Ouais, c'était la première à Losangoël. Je suis venu à Liévin et à Arras. Voilà. Comment vous avez trouvé l'ambiance ce soir? Ah, ouais, super. Super. Les gens à l'écoute.
D'accord. Alors, je crois que voilà, vous êtes auteur, compositeur. Vous avez, j'ai pu assister au concert, donc je trouve que vous avez un univers, voilà, particulier, tout à fait qui vous ressemble. En ce moment, vous jouez à l'Essaillon à Paris. Alors, ouais. Comment ça se passe? Bah, plutôt bien. Enfin, je joue pour 8 semaines et là, on a fait les 2 premières semaines. Et, ça se passe bien. Il y a plutôt des bons retours, des bons articles de presse et un peu de monde. Donc, Inch'Allah que ça continue. Et je crois d'ailleurs que vous avez aussi comment dire, un mode de fonctionnement particulier. Vous proposez aussi de faire des concerts à domicile. Tout à fait. C'est le service livraison, vous livrez Voilà, j'arrive avec mon piano, du son et je fais un concert à la maison. Enfin, voilà, il faut réunir 20, 30 personnes. Et j'aime bien ça. J'adore faire les concerts à domicile. Je trouve que c'est une formule voilà, qui permet d'être vu par des gens qui ne seraient pas venus dans une salle, sans ouais. dans une salle dans leur coin. Et puis ça permet de vivre en dehors du réseau officiel des programmateurs. Oui, puis en même temps, il y a une sorte d'intimité qu'on ne peut pas avoir dans une salle de spectacle. Intimité, ouais, ouais. Et vous le faites que sur la région parisienne ou... Je le fais partout où on veut bien m'entendre. D'accord. Ouais. Et donc, toutes les informations, on peut le retrouver sur votre site officiel. Tout à fait, voilà. D'accord. PascalMarie.com. Voilà. Alors, j'ai retenu quelque chose à un moment dans votre chanson. Vous dites « J'aime pas les gens qui aiment les gens que j'aime pas ». C'est vrai dans la vie aussi? Est-ce que dans la vie, j'aime pas les gens qui aiment les gens que j'aime pas? Non. Libre à chacun d'aimer qui veut. Puis c'est pas... Je pense qu'on peut aimer des électeurs d'extrême droite, par exemple. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Tout le monde était là, c'est pour voir quel bon prendre. Oui, c'est ça. C'est Alors justement, toutes ces chansons, entre ballades de chansons nostalgiques, mélancoliques, et aussi chansons humoristiques, pourquoi c'est... Ça vous tient à cœur vraiment de faire une sorte de balade comme ça? Oui, ce qui me tient à cœur, c'est qu'il y a une richesse, une variété d'émotions pour les spectateurs, et puis un parcours qui soit avec des creux, avec des bosses, avec des plats. Oui, finalement, c'est... un voyage un peu varié, voilà. D'accord. Alors, évidemment, les Lossois le savent, je suis également donc dans le spectacle vivant, puisque je suis humoriste pour ma part quand je quitte... Tu fais pas des sketchs Ah si, puisque j'ai aspiré que ça titube mon ex, donc la nostalgie, la mélancolie, ouais. On y est parfaitement. Et évidemment, voilà, je voulais citer des amis parce que je suis encore allé les voir à Bouet-la-Bussière. Je vais parler d'un spectacle, les 2G. Oui. Je crois que vous avez composé pour Denis d'Arcangelo. J'ai commis une chanson, on va dire. Oui. Très, très différente de mon répertoire. Donc vous écrivez aussi pour les autres. Pour d'autres, quand il y a des possibilités. Là, j'ai écrit des chansons pour le spectacle qu'a monté Caroline Loeb sur Georges Sand. Voilà, j'ai écrit deux chansons. D'accord, oui, c'était la chanteuse de C'est la Watt. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Qui, depuis, fait un tas de spectacles. De spectacle, de mise en scène et de création. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés à Avignon, j'ai écrit pour elle. Et là, j'ai écrit aussi des chansons avec elle, d'ailleurs, pour une comédienne qui s'appelle Émile Bayard et qui devrait faire un spectacle avec ses compositions fin d'année 2016. Voilà, ça s'appelle tout de suite. D'accord, ok. Ben voilà, donc Pascal Marie, un univers à découvrir justement. Alors, exactement. Si les spectateurs, les amoureux de la chanson veulent vous découvrir sur scène, vos prochaines dates, vous savez. Alors là, jusqu'au 31 mars à l'Essaillon. À l'Essaillon à Paris. Mardi à 20h. Je serai à Avignon cet été au festival. D'accord, donc pour le off. Il y a des dates, il y a d'autres dates un peu en France d'ici là. Mais... D'accord, ok. Alors si éventuellement, parce que justement, donc vous faites des concerts à domicile, etc., mais je suppose que vous proposez également des concerts, comme on l'a vu, dans d'autres municipalités, du Nord-Pas-de-Calais, etc. Sûr, donc voilà. Si il y a des programmateurs qui nous regardent... Programmez-moi. Voilà. Programmez Pascal Marie. Programmez-moi. Voilà. Mais on peut retrouver tous les contacts sur un site officiel, je suis... Voilà, pascalmarie.com. Voilà. Voilà. On tape Pascal Marie dans Google et ça y arrive. D'accord, et sachez que les choses sont bien faites puisque sur Lost TV, on mettra un petit lien en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Voilà, j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Plaisir de vous revoir éventuellement l'année prochaine. D'accord. Dans notre commune. Merci. Bonne longue vie au spectacle One Man Show. Alors. Oui, merci. C'est très gentil. Voilà, quant à moi, eh bien, je vous retrouve tout de suite dans le studio pour la continuité de cette entrevue lossoise.
Voilà, un artiste complet qui a été découvert grâce à cette association Graines de Chansons qui se situe à Losangoël. Alors sachez que le prochain concert, eh bien, c'est le 27 mars à 20h à la médiathèque. Et puis en plus, c'est un mec de chez nous puisqu'il s'agit de Jeff Kino. Voilà, cette entrevue lossoise, eh bien, se termine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque mois et c'est un véritable plaisir pour toute notre équipe. Notre équipe d'ailleurs que je remercie maintenant puisqu'il y avait avec moi pour la réalisation de cette émission Marcel, Jackie, Michael et Fabien. Si vous voulez nous suivre, eh bien, n'hésitez pas. Sachez d'ailleurs qu'il est possible de s'abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a un petit bouton qui est disponible juste en bas de la vidéo. C'est le bouton s'abonner. Alors, n'hésitez pas. Quant à moi, eh bien, je vous remercie, comme d'habitude, de nous avoir suivis, de nous être fidèles à notre chaîne Lost TV. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain.